En tant que femme, la célébration du 8 mars, c'est une journée pour le droit des femmes, comme on le sait. Pour nous, toutes les femmes comptent, que ça soit sur tous les niveaux d'activité de la vie. La femme représente un pilier essentiel à la vie quotidienne, que ça soit économique, politique, sociale. C'est une fierté de pouvoir célébrer cette journée. Nous avons jugé nécessaire de faire un don de sang parce qu'on sait que c'est une demande au niveau de la région de Kédougou. En plus de cela, il y a le Ramadan qui arrive et on sait que durant le mois de Ramadan, ce n'est pas facile aux gens de faire des dons de sang. Donc on a jugé nécessaire de faire ça avant le Ramadan pour qu'au moins durant le Ramadan, il y ait assez de sang au niveau de l'hôpital pour sauver des vies. À chaque fois qu'on veut organiser une activité, on a leur soutien. On a vraiment leur soutien. Ils nous laissent la liberté de faire nos activités et on a l'appui qu'il faut. On a fait appel à toutes les femmes qui travaillent ici au niveau de la mine. Donc c'est une collaboration entre les femmes de la mine, la clinique de la mine et aussi l'hôpital régional de Kédougou. Nous remercions nos supérieurs de nous avoir aussi permis d'organiser ce don de sang. On est venu aujourd'hui faire un don que nous avons jugé minime, mais quand même, on a voulu venir ici pour partager cette journée avec vous. Car comme notre slogan le dit, toute femme compte. On est très heureuse aujourd'hui d'être ici pour fêter cette journée avec vous. Remercier encore l'équipe qui est là parce qu'elle pouvait la fêter au niveau du service. Mais au moins, ils ont passé à celles qui sont là, vraiment souvent un peu oubliées par la société. Et pour vous dire qu'elles comptent, elles font partie de la société. Les dons que vous jugez minimes, vraiment, je crois que c'est très important et très significatif. C'est très important parce que le fait de vous déplacer jusqu'ici, c'est très important. En tout cas, merci à vous tous que vraiment ces bonnes œuvres puissent être pérennisées dans l'avenir.